plutôt que se contenter d'une réflexion sur le libre-échange. Bien sûr, le troisième préalable, il faut le rappeler, c'est la transparence. Il n'y a pas, et là-dessus, il risque d'y avoir un problème, parce que d'un côté comme de l'autre, hein, parce que du côté européen, vous savez qu'on est à la veille d'élections européennes et que les intérêts en Europe ne sont pas aussi convergents, l'Europe n'est pas une unité aussi convergente qu'on le pense. Et en Tunisie aussi, il y a des intérêts et il faut absolument plus de transparence au niveau de cette négociation. Enfin, les institutions, pour éviter un peu le syndrome hollandais, et ce qu'on a vu aussi avec le programme d'ajustement structurel, le syndrome hollandais, c'est le syndrome des pays qui découvrent du pétrole, qui reçoivent une rente et qui ne savent pas comment distribuer la rente. Là, l'écart, si jamais on mettait en place, c'est ce qui s'est passé avec le programme d'ajustement structurel. C'est la Tunisie a reçu des fonds et elle n'a pas su utiliser ces fonds. Parce que ces fonds deviennent une rente et cette rente est source de corruption. Il y avait des cabinets, de la formation, etc. De l'argent a été dépensé et mal dépensé et ça n'a pas vraiment servi à mettre à niveau l'économie tunisienne. Pareil, si on devait aller dans un accord avec l'Europe, il faudrait absolument avoir les institutions capables de transformer réellement l'agriculture tunisienne et non seulement se contenter d'une promesse de subvention. Et ça aussi, quand j'ai parlé des normes de qualité, ça fait partie de cet aspect, de cette question institutionnelle. Défi de la pauvreté, du déséquilibre des transferts régionaux, parce que la sécurité et la souveraineté, c'est aussi comment faire face à la pauvreté, à l'exclusion. Vous savez que les différents programmes, je vais passer rapidement, les trois principaux programmes posent des problèmes d'efficacité et de ciblage extrêmement importants. Et il faut réfléchir à comment orienter les transferts sociaux. Enfin, sur un plan encore technique, le dernier défi technique, c'est la protection des consommateurs et le contrôle sanitaire. C'est d'actualité, là aussi, ce qu'on vend sur les marchés tunisiens et sur, comme vous savez, la question des enfants qui ont été intoxiqués. Aujourd'hui, nous avons des contrôles à deux vitesses. Lorsqu'il s'agit d'exportation, nous avons une qualité des contrôles. Lorsqu'il s'agit d'importation, c'est une autre qualité des contrôles sanitaires. Le ministère du Commerce ne dispose que de 350 agents pour 425 000 points de vente. Vous voyez comment, sur le plan institutionnel, nous ne sommes pas vraiment outillés pour les contrôles et la protection des consommateurs tunisiens. Alors j'en arrive maintenant rapidement peut-être à l'aspect le plus important, au-delà de ces défis que je considère comme étant des défis surtout techniques et qui renvoient plus à la question de la sécurité alimentaire qu'à la question de la souveraineté alimentaire, tout en sachant encore une fois que pour moi il y a une interaction entre les deux. Donc au-delà de ces aspects techniques, la question de la gouvernance. Il y a quatre préalables pour réconcilier la sécurité avec la souveraineté alimentaire et servir donc le droit à l'alimentation. Tout d'abord, éviter la posture orthodoxe. La posture orthodoxe, c'est par exemple ce qu'on trouve dans un rapport sur la politique, l'économie politique de la sécurité alimentaire dans la région du Maghreb, un document important de la BAD. Alors qui propose quatre stratégies pour la sécurité alimentaire, très rapidement, pour atteindre la sécurité alimentaire selon la BAD. Il faut faire de l'agriculture une source de devises, donc il faut exporter tout simplement, et favoriser les produits à l'exportation. Il faut diversifier l'économie et les exportations industrielles et manufacturières, autrement dit, à la limite, soit vous faites de l'agriculture une source de devises, soit vous abandonnez l'agriculture et vous exportez autre chose, et de toute façon, vous aurez de l'argent pour importer
vos produits agricoles. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. Troisième stratégie, il faut rationaliser les importations en améliorant la logistique, en améliorant la réserve stratégique, en utilisant des instruments financiers, des stock options, etc. Quatrième stratégie, améliorer la productivité agricole en agissant sur les coûts des entrants, les coûts des facteurs et notamment la logistique. Alors ça, c'est le schéma classique, orthodoxe, je dirais, de la recherche de la sécurité alimentaire qu'on trouve dans un document de la PAC. Alors quels sont les problèmes posés par cette approche orthodoxe? Tout d'abord, cette approche orthodoxe ne réfléchit pas à la gouvernance des réformes des stratégies. Elles ne disent rien, ces quatre stratégies ne disent rien sur la façon de les réaliser, ni sur les dynamiques sociales et politiques qui leur sont sous-jacentes. Quand vous dites par exemple agir sur les coûts des intrants, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que ça signifie qu'on va abandonner le SMAC, le salaire minimum agricole? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et comment est-ce qu'on va gouverner? Et est-ce que c'est faisable dans un pays comme la Tunisie? Cette approche orthodoxe traite de la sécurité alimentaire sur le plan national. Mais avoir une sécurité alimentaire sur le plan national n'assure ni la sécurité des populations locales, ni la souveraineté du pays. Vous pouvez avoir une sécurité alimentaire au plan global, mais vous n'avez pas une sécurité des populations, ni une souveraineté du pays. Cette approche orthodoxe véhicule l'idée, derrière réalité, qu'il est nécessaire de sacrifier la souveraineté pour parvenir à la sécurité. Donc c'est une approche néolibérale où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut choisir. Si vous voulez avoir la sécurité, vous devez abandonner votre souveraineté. Ça, c'est l'approche Banque mondiale et c'est l'approche BAD. La sécurité alimentaire nationale me semble être nécessaire, mais pas suffisante pour assurer la sécurité alimentaire individuelle. Encore une fois, il y a une réflexion sur le niveau d'analyse sur lequel je vais revenir. Et on ne peut pas aller vers cette forme de productivisme proposée par le modèle néolibéral, parce que le productivisme agricole, on le connaît, il produit beaucoup de gaspillage, il produit beaucoup d'inégalités internes et internationales, et il produit surtout une surexploitation des ressources naturelles. Et pour un pays comme la Tunisie, ce n'est pas possible. Alors, deuxième préalable pour concilier sécurité et souveraineté, j'ai dit donc éviter les stratégies orthodoxes, mais éviter aussi la posture dogmatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition unique, encore une fois, les définitions sont mouvantes, même si pour les mouvements politiques, les mouvements politiques ont naturellement besoin d'une définition consensuelle et unique, mais sur le plan théorique, les définitions sont mouvantes. Via Campesina, définir la souveraineté alimentaire comme le droit des populations de leurs États ou de leurs unions de définir leur politique agricole et alimentaire. Donc c'est à la fois un mouvement politique, et en Tunisie, ce mouvement politique, malgré tout, manque de ressources, manque de structuration. Il n'y a pas vraiment, malgré quelques initiatives comme ces clubs, mais il n'y a pas une vraie visibilité, ne serait-ce que sur le plan politique. Le Parti des Verts fait comme ça, il n'a pas réussi à s'imposer, même si des partis écologiques en Europe ou des partis ont une certaine importance en Tunisie, le mouvement politique et civil est relativement faible. Mais la souveraineté alimentaire, c'est aussi un modèle théorique qui permet d'interpréter la réalité et d'analyser l'action de l'État. Je disais, il faut éviter la double incompréhension, les positions assez dogmatiques. Les souverainistes, ceux qui défendent la souveraineté, qui accusent ceux qui défendent la sécurité d'être porteurs d'une idéologie néolibérale, d'une économie agricole qui serait sans agriculteurs, ou pour dépendre des agriculteurs. Donc vous avez d'un côté les tenants de la souveraineté alimentaire qui critiquent les tenants de la sécurité alimentaire en disant qu'ils véhiculent une idéologie néolibérale d'une économie sans agriculteurs. Hein. De l'autre, les tenants de la sécurité alimentaire qui accusent les tenants de la souveraineté alimentaire d'être
des utopistes de véhiculer une utopie d'une agriculture sans marché et sans commerce, basée sur non seulement l'autosuffisance au niveau national, mais l'autosuffisance au niveau des paysans eux-mêmes. Quand on dit consommer ce qu'on produit, ça va du niveau du pays, consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme, c'est au niveau du pays, mais aussi au niveau des individus eux-mêmes. Et ça, pour les défenseurs de la thèse de la sécurité alimentaire, je vous dis, c'est assez utopique. Et c'est vrai que, d'un côté, la thèse néolibérale est idéologique, et la thèse souverainiste pure me semble être assez utopique. Donc il faut trouver un juste milieu. Troisième préalable, c'est de prendre en compte les rapports complexes entre souveraineté et sécurité alimentaire, c'est ce que je disais. Les deux ne peuvent être complètement séparés. La différence entre souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire réside dans la manière, dans l'objectif de nourrir toute la population réelle. C'est une différence de moyens. Mais la finalité, c'est le droit à l'alimentation, comme je l'ai présenté au bout d'une des slides. Dans une optique de souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire résulte des processus volontaristes plutôt que des mécanismes de marché. Mais sans souveraineté, la sécurité risque de ne pas être durable. Sans souveraineté, la sécurité risque de ne pas être durable et finira par saper ses propres fondements. Et sans sécurité, la souveraineté n'est rien d'autre qu'une illusion ou un simple slogan politique. Ça, c'est un point de vue personnel. Contrairement au discours passéiste, dogmatique et populiste, il ne peut y avoir de souveraineté sans sécurité. Je ne pense pas qu'on puisse être souverain si on n'a pas une certaine sécurité. Il faudrait également prendre en compte la pluralité des souverainetés. Et c'est pour cela que je pense qu'une certaine approche de la souveraineté alimentaire est assez simpliste. Il n'y a pas une seule souveraineté alimentaire. Il y a plusieurs niveaux de souveraineté. Souveraineté durable du pays, mais souveraineté aussi des citoyens, des populations locales, etc. Et il y a en fait des tensions et des conflits, et une configuration de tensions et de conflits entre différentes souverainetés et différentes sécurités à différents niveaux et pour différents secteurs. Il s'agit donc de trouver un juste équilibre ou une juste tension entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Alors, je sors de toute cette théorie pour maintenant réfléchir aux conditions de l'émergence de la souveraineté alimentaire et agricole en Tunisie. J'ai parlé des défis, des 14 défis. Qu'en est-il des 14 défis qui renvoient à la sécurité et à la souveraineté? Mais concrètement, aujourd'hui, quels sont les obstacles? Je crois qu'il y a un premier obstacle au niveau de l'héritage. L'héritage du modèle de développement sécuritaire basé sur la précarité et la dépendance. Nous avons eu un modèle de développement avec une main-d'œuvre bon marché. En contrepartie, l'État accorde des subventions et adopte sa politique sociale. Et la politique agricole a été une composante de la politique sociale et la politique sociale a été une composante de la politique sécuritaire. Donc vous avez comme ça une hiérarchie des politiques qui fait que le modèle de développement a préféré une main-d'œuvre bon marché qui a été satellisée, qui a été contrôlée par des politiques sécuritaires, des politiques sociales et donc des politiques agricoles, parce que la politique agricole a été une composante de la politique sociale et la politique sociale a été une composante de la politique sécuritaire de l'État-providence qui lui antérite. Ça, c'est l'héritage. Le système politique a été basé sur l'unité de représentative des travailleurs et des paysans et leur adhésion aux partis uniques et aux organisations uniques. Et aujourd'hui, en Tunisie, il y a un grand défi, comme vous le savez, de pluralisme, pas que politique, de pluralisme syndical, de pluralisme tout court, de pluralisme des points de vue, de pluralisme des valeurs, de pluralisme... ça reste un héritage assez lourd à assumer. Il y a aussi en Tunisie une absence de définition formelle et consensuelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la souveraineté. Il n'y a pas vraiment un consensus autour des concepts.
Il existe des politiques sectorielles, on trouve des politiques agricoles, par exemple sociales, environnementales, mais pas de véritable politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ni de politique de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Donc il y a ce compartimentage aussi au niveau des approches, une politique environnementale, une politique commerciale, une politique de santé, mais pas d'intégration. Alors deuxième gros obstacle, c'est non seulement le poids de l'histoire, mais le poids du présent en quelque sorte, c'est la crise actuelle qui s'installe et qui pèse surtout les plus vulnérables. Alors, comment est-ce plus vulnérable? Parce que en s'installant cette crise économique, elle affaiblit les capacités de négociation de l'État et lorsqu'elle affaiblit les capacités de négociation de l'État, celui-ci ne change pas de paradigme, mais il va vers une course aux avantages comparatifs. Donc on fait de plus en plus, et on pense qu'en faisant plus qu'on a toujours fait, on n'arrivera à s'en sortir. Et cette course vers les avantages comparatifs ne fait que éroder et pousser le pays dans ses rigides. Donc on est en train de s'enfoncer. Pour sortir de la crise, on fait encore plus qu'on faisait avant, et on s'enfonce dans la crise. Et ce cercle vicieux qui piège principalement les plus pauvres et les plus vulnérables. Pourquoi les plus vulnérables? Parce qu'ils sont les moins aptes au redéploiement, ils n'ont pas les moyens de la flexibilité en termes de comportement, c'est difficile pour eux de changer de comportement. Les plus vulnérables ne votent pas, ou pas toujours, et ils ont du mal à s'organiser, à se faire représenter. Même la société civile, ce ne sont pas les plus vulnérables qui sont dans la société civile. Et souvent, ils préfèrent voter par les pieds, comme on dit, donc dans le modèle, il y a un fameux modèle de Hirschman, ils préfèrent exit plutôt que prendre la parole, plutôt que voice, ils préfèrent exit, ils préfèrent quitter leur champ et rejoindre la ville pour essayer d'avoir un contrat quelconque. Alors, face à ces obstacles liés à l'histoire et au présent, il y a deux expériences qui sont extrêmement intéressantes de mon point de vue. Une expérience que je considère comme étant un échec, en tout cas un échec relatif, et une expérience que je considère comme une réussite, et là aussi c'est une réussite relative. Alors l'échec relatif, c'est la planification participative 2016-2020. J'ai eu la chance de participer à cet exercice, je dirais, où on a voulu planifier autrement. L'État tunisien a voulu planifier à partir de la base, faire participer les gens dans une espèce de démocratie participative. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, la participation dans la planification et l'élaboration des politiques publiques a été mal encadrée. Et elle est devenue une source de demandes sectorielles et corporatistes. Cette participation, au niveau du plan de développement 2016-2020, a exacerbé, je l'ai vu, je peux vous donner plein de... Elle a renforcé le régionalisme et les conflits locaux sur les moyens de l'État en tant que rente à partager. Donc, la question n'est pas l'intérêt collectif, la question est devenue l'intérêt personnel ou l'intérêt catégorique. Il y a eu une tentative, et il y a toujours des tentatives que vous connaissez très bien, et des risques d'instrumentalisation des organisations agricoles. Nous sommes sortis du RCD qui met la main sur l'UTAP, pour ne pas la citer, à un autre parti qui essaie de mettre la main sur les organisations agricoles. Donc on est resté à peu près, même si c'est de la planification participative, on est resté dans le même paradigme, en quelque sorte, la même représentation du rôle des organisations agricoles. Une expérience de réussite relative, je souligne relative, parce que je sais qu'aujourd'hui, Jemna est cité comme étant, il faut absolument dire que tout va bien à Jemna, sinon, si vous gardez votre sens critique, vous êtes soupçonné d'être anti-militant, etc. Mais je pense que ce serait desservir Jemna que de ne pas garder un regard critique sur Jemna et le reste d'ailleurs. Hein. Alors la question de Jemna, est-ce que Jemna est généralisable? Et est-ce qu'il s'agit de bien commun? Vous savez, aujourd'hui, une théorie
La question des biens communs est une question fondamentale dans la réflexion. Éléonore Ostrom, pour ne pas la citer, je suppose.